Chers élèves et chers parents, l'équipe de l'École Sainte-Anne a préparé une vidéo pour vous montrer que nous sommes de tout cœur avec vous. La situation que nous vivons actuellement nous force à agir et penser différemment. Il est primordial de se laver les mains et de rester à la maison. Pour vous occuper à la maison, il serait bien de lire un peu à chaque jour, faire de l'activité physique et aider dans les tâches ménagères. Si vous avez envie de faire des activités pédagogiques, il y a sur le site de la commission scolaire une section babillard pédagogique avec plusieurs suggestions d'activités intéressantes. Pour les parents qui se posent des questions, il y a la foire aux questions qui répond aux questions qui se sont posées le plus fréquemment. Vous pouvez également nous joindre sur la page Facebook de l'école ou sur le courriel de l'école. Sachez que peu importe le temps que l'école sera arrêtée, nous mettrons tout en œuvre pour que votre retour se fasse de façon harmonieuse et assurer votre réussite. Je pense à vous très souvent et j'ai hâte de vous revoir. Bonjour à toi, à tes parents, à tes frères et sœurs. Comment ça va? Moi, ça va bien, mais je m'ennuie de toi, je m'ennuie des collègues, je m'ennuie de l'école. J'ai hâte de te voir. À bientôt! De première année, mes petites abeilles adorées, mes petites coccinelles d'Afrique, comme je vous appelle à tous les matins. Alors, Olivier s'est forcé, il a fait un arc-en-ciel pour vous avec le message « ça va bien aller ». On sait que c'est un moment difficile présentement, mais je pense à vous à tous les matins quand je me lève, je revois vos petits sourires du matin. Mes garçons sont là aussi dans le message parce que je vous en parle souvent, ces petits garçons coquins-là. Eh bien, c'est eux qui sont avec moi aujourd'hui pour vous dire que ça va bien aller tout le monde. Restez avec vos familles, prenez soin de vous. Et j'ai quelque chose aussi pour vous, notre petite routine du matin. Olivier, tu peux sonner? Bon matin! Bye mes amours, je vous aime, on se revoit bientôt. Salut, c'est Claudette. J'ai hâte de vous voir. J'espère que vous amusez bien à la maison. On se revoit bientôt à l'école. Bye bye! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'ennuie de vos beaux sourires au secrétariat. J'espère vous revoir bientôt. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Bonne journée. Allô les élèves, j'espère que vous allez bien. Je m'ennuie de vous vraiment beaucoup. J'en parle chaque jour. Puis j'ai vraiment hâte de reprendre le temps perdu avec vous. On va vraiment apprécier plus le temps qu'on a ensemble encore à notre retour. Puis d'ici là, prenez bien soin de vous, faites plein de belles choses à la maison, profitez-en. Moi, je pense à vous chaque jour. À très, très, très bientôt. Salut mes loups d'amour, c'est Madame Lynn. J'espère que tu vas bien. Moi aussi, je vais bien. Je fais beaucoup de choses à la maison. Toi, j'espère que tu fais des belles choses avec tes parents. Moi, ce que je te demande, c'est de faire de la lecture, toi aussi, parce que ça, c'est le livre que je suis en train de lire. Donc, on se revoit bientôt, puis n'oublie pas que ça va bien aller. Bye! Bonjour, mes petites grenouilles! J'espère que ça va bien! Pendant ce temps de pause, vous pouvez en profiter pour faire les activités physiques et le yoga qu'on faisait déjà en classe. Vous allez être encore des super champions, j'en suis certaine. Je pense beaucoup à vous. Je vous envoie plein de bisous. J'ai très hâte de vous revoir. Ça va bien aller, mes amours. Bye! Allô, les merveilleux élèves de l'École Sainte-Anne. J'espère que vous allez bien. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que vous gardez la forme et que vous prenez le temps de vous amuser. Je vous envoie un gros bec et un gros câlin. On se voit bientôt. Ça va bien aller. Hi, everyone. How are you? I hope you're doing fine. It's a time to stay at home. Stay home. Stay safe. Go play outside, play some table games, English speaking only, do a little yoga if you want. We will see each other really soon. Ciao! Allô les cocos, j'espère que vous allez bien. Juste un petit mot pour vous dire que je pense à vous et que je vous aime. À bientôt! Allô les élèves, un petit mot pour vous dire que je pense souvent à vous. Vos sourires, vos câlins, nos discussions me manquent, mais j'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous prenez bien soin de votre famille. Là, on reste positif et tout va bien aller. Au revoir. Allô les loups, bonjour papa, bonjour maman. J'espère que tout va bien à la maison.
Profitez-en malgré tout. Je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous revoir. Je vous embrasse. Bye les cocos! Bonjour mes petits cocos, j'espère que vous allez bien. Un petit mot pour vous dire que je pense à vous très fort, que je m'ennuie, mais on se revoit bientôt. Bye! Allô tout le monde! Je suis contente de vous donner de mes nouvelles. Je m'ennuie, c'est effrayant. J'ai tellement hâte de me retrouver à l'école dans ma classe et de vous revoir d'ici la fin de l'année scolaire. Je vous aime, je vous embrasse. Câlin virtuel! Salut les petits tannants. J'espère que vous passez un bon temps à la maison. Occupez-vous, lavez-vous les mains, allez jouer dehors aussi, ça vous fait du bien. Allez jouer dehors, pas avec un paquet d'amis, allez jouer dehors seul ou avec un ami, puis tu tiens la distance. On se revoit, on va se revoir bien vite. Fait que je vous souhaite un bon temps et on se revoit. Bye. Petit message rapide, faites du sport pendant le confinement. En fait, Chausson, tu es d'accord avec ça? Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Puis aussi, il faut être à distance pour garder une distance de 2 mètres. Mais là, on l'a pas, la distance de 2 mètres. Ouais, mais ton bras est pas assez long. Oh. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous suivez le confinement. N'oubliez pas de nous revenir en santé. On a bien hâte de vous voir. On s'ennuie beaucoup de vous. Profitez-en pour faire des activités en famille. Bye-bye! Bonjour à vous les élèves de l'école Sainte-Anne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du temps pour faire des choses que vous aimez. C'est juste un petit mot en fait pour vous dire qu'on pense à vous, puis prenez soin de vous aussi. Salut, alors c'est M. Patrick, c'est un petit message pour te saluer, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je me tiens occupé, je travaille fort pour toi, et puis ben j'espère te revoir bientôt. J'espère que tu prends le temps de sortir à l'extérieur, que tu prends le temps de faire de la lecture, et ben peut-être d'écrire un peu. Alors, sur ça, je te souhaite une belle fin de journée, puis j'ai hâte de te revoir. Bye-bye. Coucou mes petits monstres, un petit message pour vous dire que je m'ennuie. Je pense très, très fort à vous. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de bouger à tous les jours, si possible, d'aller jouer dehors. Je vous aime très fort. J'ai très hâte de vous revoir. Bisous. Bye-bye.